La culture avec la chronique de Jean-Baptiste Urbain. Du cinéma d'animation au programme avec ce film dont on parle depuis des mois. Il sort en salle, enfin, un film annoncé comme un chef-d'œuvre. Extrait. Ah, les booms de l'adolescence. Bonjour Jean-Baptiste. Ce film, c'est Marion. Donc Ma vie de courgette, hein, réalisé par le cinéaste suisse Claude Barras et déjà auréolé d'une grande et belle réputation. D'abord la quinzaine des réalisateurs, sélection à Cannes et puis ensuite primé avec Annecy, le festival du film d'animation, le festival du film francophone d'Angoulême, également le Valois de Diamant. Le voilà enfin, vous le disiez, en salle, ce bijou d'animation fait en pâte à modeler, ça a pris des années à faire ce film. C'est émouvant, c'est drôle, c'est intelligent, que dire d'autre? L'histoire de ce petit orphelin aux cheveux bleus, c'est peut-être tout simplement le plus beau film de l'année. Bonjour madame. Les enfants, je vous présente votre nouveau camarade, Icare. Courgette. Ah oui, pardon. Votre nouveau camarade, Courgette. Moi, j'irais plutôt patate, vu sa tête. Simon, ça suffit. Du calme, les enfants. Bon, ben, je vais vous laisser, hein. On a essayé de mettre ce fond de maltraitance, de le poser comme décor, de le mettre là, mais de pas forcément trop appuyer dessus, et de montrer justement par contraste comment ces enfants un peu cabossés, en créant des liens entre eux, s'en sortent et créent une nouvelle famille. C'était un peu l'idée. Donc comme je vous disais, la vache est un ruminant, ce qui veut dire que, bah voilà, elle rumine. Et puis donc, elle mange l'herbe une première fois, hein, mais sans la mâcher. Et donc, elle la fait remonter ensuite dans son estomac, et là, elle mastique tranquillement. Bon, les gens, bienvenue en prison, la patate. Sous les yeux des prédateurs, elle est couverte dans les prisons. On prend une photo après l'autre. C'est l'ancêtre du cinéma presque, une photo après l'autre des personnages pour recréer le mouvement. Donc c'est des marionnettes articulées qui sont souvent vissées dans le décor par le sol. Et ensuite l'animateur il va changer les bouches, changer les paupières et bouger image par image un bras par exemple pour après avoir cette illusion de vie à travers les personnages. Allez, on se réveille. Aïe! Bouge tes fesses, j'ai pas que ça à faire, moi. Mais ben, elle est aimable comme une porte de prison, celle-là. Oh non! Et on passe à un autre film qui, lui, vient de sortir, Voyage dans le cinéma français. C'est le nouveau Bertrand Tavernier. Un documentaire, enfin, à sa façon, Jean-Baptiste. Bah oui, un voyage ou une déclaration d'amour au 7e art. Il se promène dans le cinéma français avec les films de sa vie, ceux qu'il a aimés, avec une analyse jouissive, une analyse filmique, mais pas du tout universitaire. Sa défense également pour la restauration des films qui sinon vont disparaître. On va voir Renoir, on va voir Becker, on va voir Melville, parmi tant d'autres. 3h10 de films sans un instant d'ennui. C'est un coup de génie. Tout cinéphile va adorer, puis les autres, ils vont peut-être le devenir cinéphile. Le film commence par Tavernier qui revient sur ses pas dans sa jeunesse. Vous le voyez, ce jardin de son enfance à Lyon où ses parents ont caché Aragon pendant la guerre, où il a filmé plus tard. Philippe Noiret était dans l'horloger de Saint-Paul et une vocation qui naît. Extrait. C'est ici, dans ce jardin, dans la maison qui était là, que j'ai rêvé sur mes premières images.
je me souviens surtout d'une après-midi où mes parents m'avaient emmené sur la terrasse qui dominait Lyon. J'avais 3 ans, c'était en septembre 44. Et là, j'avais vu plein de fusées éclairantes dans le ciel. Cela marquait l'entrée des troupes qui libéraient Lyon, des troupes américaines, des troupes françaises. Et tout autour de moi, les gens riaient, applaudissaient, il y avait une atmosphère de fête. Et j'ai jamais oublié ces images. J'ai jamais oublié ces lumières dans le ciel. Et quand j'allais au cinéma et que tout d'un coup, la lumière commençait à éclairer un écran, que le rideau s'ouvrait, je revoyais ces lumières dans le ciel et cet écran qui allait s'éclairer, ça représentait un petit peu l'espoir que j'ai ressenti un peu autour de moi dans ce moment sur la terrasse. Voilà, effectivement, un très beau film qui montre la richesse et l'intelligence du cinéma français. Alors, vous parliez, Jean-Baptiste, de restauration de films. L'un des plus grands succès du cinéma américain ressort justement en salle. Et Beau comme au premier jour, un film de 1965 signé Robert Wise, le réalisateur de West Side Story. Là aussi, c'est un film musical, musique signée Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. Ça va devenir des standards de jazz, la voix sublimissime de Julie Andrews et l'histoire vraie de la famille Von Trapp en Autriche. Je vous raconte pas l'histoire, vous la connaissez sans doute, c'est La Mélodie du Bonheur, The Sound of Music. Si vous ne l'avez jamais vu, ce film, rattrapage en salle avec entracte s'il vous plaît, parce que ça dure quand même 3 heures, et pour vous c'est cadeau, pour ceux qui n'aiment pas, petite séance de rattrapage également. La mélodie du bonheur. Que vous aurez dans la tête jusqu'au moment de se coucher. Merci Jean-Baptiste.